Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 14e épisode de Let's Play sur Breath Edge. Alors on continue. On a fait le plein de ressources utiles. On va pouvoir repartir. Deux mille, trois mille. Bon, on verra bien. Donc là-bas, il y a des choses à faire. Ensuite, on va peut-être essayer d'avancer. Donc, obligé de sortir, rentrer par là maintenant qu'on a débloqué le tout. Hop, je prends le scanner, module de service moyen. Voilà, je devais encore scanner quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, le... Très bien. Ah, oh! Les banques chiffrées, je peux les déchiffrer ici, d'accord. Bon, ben ça c'est bien. J'imagine que ça va me donner de nouveaux équipements. Allez, on va voir un peu où on arrive. Où est-ce qu'on sort? J'explore un peu. 3000 mètres. On verra pour les modules de service après, hein, mais là il y a du... Il y a du ciel. Oh, en fait j'étais... Non. Ah si, j'étais pas si loin que ça en fait de... Mais bon. On va aller voir 1400, 1000 mètres, 900 mètres, on va aller là-haut. Oh là, il y a des rayons verts. Judging by the signal, there's an anti-asteroid turret nearby. I hope you don't look much like an asteroid, but it's recommended that you stay away from the guns. These turrets can attack a large moving object without even knowing how valuable the spacesuit on this object is. Ok.
donc on reste. A cluster of security robots detected. I'd recommend keeping out of their sight. This is working autonomous oxygen station. Ok. On descend. On rentre. Non? Ça va pas ça. Non mais je m'en fous de le scanner. Bon. J'ai besoin d'oxygène. Mètres. Ah, je vais pas y arriver à temps. Bon, tant pis, si je meurs, on rechargera à partir de la dernière sauvegarde. Quelque chose explose avec une grande force ici, vous venez voir. Non, merci. Pour l'instant, c'est moi qui risque d'exploser, là, si... Ok. On va vite retourner au vaisseau, prendre de l'air, pardon. Un mélange entre oxygène et air. Oxygène. Corridors for staff members in the business class can cause claustrophobia, although they are extremely convenient and compact. Couloir, très bien. Donc maintenant, ce sera vraiment la partie je construis ma base. Et j'explore. Le tout, c'est de savoir où serait le meilleur endroit pour le construire. Très bien. Je vais prendre... Mince, je l'ai lancé. Voilà. Ok. J'ai tout mon oxygène. On est reparti. Hop. Il y a de l'oxygène là-bas, hein, mais... Je sens que je vais le mettre par ici, mon...
mon sas. Bon bah mon truc de service. Ok, alors attention au laser. L'oxygène il est là. Enfin au canon anti-astéroïde. Hop, hop, hop. Un robot. Hop. Et on y va à pied. On évite les robots. Oh. The linguistic analysis of a large inscription on the wall shows there's module number 51. The government transported some military developments in it. You can really find something. Access to civilians is prohibited. It's unlikely that you could find another way into the military module. You must bypass the super intelligent AI, which can let only a soldier pass, I presume. D'accord. Oui, oui, l'oxygène n'est pas limité, elle n'est pas illimitée, je sais, mais... Outil de réparation requis. Wow. Bon, au moins. C'est bon. Allez, arrête. Non, arrête-toi. Ok. Chaise dans... Ok. Bon. A couple of important parts are missing, but you can easily replace them. À manger et à boire. Nouveau plan, soudoyer. Non. Non, de l'argent quoi. Voilà. To the bravest souls of guns. Access to civilians is prohibited. Get out of here, rookie. The army teaches boys to think like men. Ben, je sais pas comment faire. L'air.
Ben voilà, ça c'est fait. Ok. Eh oh. Alors, il y a 2 heures à vous mourrez. D'accord, il est occupé de charger, je sais pas quoi. You lie again. You are here. That means death was impossible. Approved. D'accord. Confirmed. Bah, charger, sauvegarde auto, allez. Bon, bah, faut le temps que ça charge. Bon bah voilà, hein. Donc j'ai vu que je suis pas assez fort pour les robots. Faudrait que j'ai un laser ou quelque chose comme ça, une arme à distance quoi. Ok, on est de retour dans le vaisseau. C'est ça. Bon bah on va aller voir ailleurs. Hein. Trois mille, 2000, 2000, 2000, 1007. On va aller voir là en bas. Hein. J'ai envie d'aller voir d'abord ce module. Et puis peut-être ce petit bout là-bas. Il y a peut-être des choses à trouver. Ah. J'ai un peu craché, hein. Qui est là, on va récupérer après de retour de l'oxygène et on ira plus loin. Voilà. Ça, ce couloir. On va récupérer de l'oxygène. I don't even know if he was either trying to plug the potato into the generator or power the generator from the potato. D'accord. Ben, en tout cas, il y a bien grillé. Ouais, ça devrait aller. Si je n'ai pas illimité, je sais. Je suis perdu là, voilà. Je savais que j'étais à côté, mais je le voyais pas. Allez.
Alors, boire un tout petit peu. Mince, j'ai jeté la bouteille plutôt que de la boire. Ok. On y retourne. D'un autre côté. Bah, je vais commencer à faire le sas. On va faire le grand tour. Des choses là-bas dans le fond. Ouais, j'ai peut-être fait une bêtise. J'aurais dû aller par où je connaissais. Vous savez quoi, on retourne en arrière. Il y a ce ballon que je peux vider de toute façon. Donc il y a de l'argent et des drones militaires et des canons anti-astéroïdes. Ok, je vais pas descendre de mon véhicule pour me recharger. Et à zéro. Il est le trou. Non. Faudrait que je regarde. Bon, pff, tant pis. Bon, on y retourne. Je vais peut-être prendre les bandes tant que j'y suis, hein. C'est bon. Aïe. Bon. Ça a diminué de 1 ma durabilité. Enfin, la durabilité du véhicule. Heureusement qu'on peut réparer.
bien ici. J'arrive pas à me repérer correctement. Il n'y a pas assez de... Alors, encore une chose à prendre dans le vaisseau. Ah oui, c'est parce que je n'avais pas encore... je n'étais pas retourné sauvegarder après avoir pris les plans. Bon, on verra ça un peu à la fois. Marqueur de combinaison spatiale. Vous connaissez déjà ses coordonnées. Marqueur de combinaison spatiale, ok. Bon. On peut ressortir alors. Donc, fabriquer un module de service. On va sortir d'ici. Et on va fabriquer le module de service. Ah, c'est au-dessus de ces trucs bleus. Enfin, c'est en dessous de ces trucs bleus. Bon. Et si je faisais le module de service dans le coin? Allez. Construire. Module de service moyen. Kit de construction x2 électronique. Ah, purée. Compartiment. Petit sas du couloir. Sas. Interphone. Non. Ben on retourne. Alors, c'est bien ce véhicule parce que ça va plus vite que moi tout seul, mais on voit les limites hein, dès qu'il y a un peu de distance. Alors, électronique et kit de construction x2. Alors,
plus. Mais bah, on va faire ça dans le prochain épisode, étant donné qu'on est à la demi-heure. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et portez-vous bien, bye!